Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on poursuit l'aventure du jeu de Evil Within 2 live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, ça va, mon turbo? Je peux pas arriver plus à temps que ça. J'ai juste de finir la mission dans Destroy All Hero, All Human 2. J'ai juste de finir. Je me débarrasse de ces créatures. Peut-être qu'ensuite je pourrai la rattraper. Bon. J'espère qu'elle est pas allée trop loin. Mira, Mira! Mon chien! C'est bien quelqu'un va t'arrêter. Là-dessus. Non, si.
Non, pas ça. Et voilà. Pitié, faites que ce soit le dernier. Je suis désarmé pour aller là, tabarnache. Mira! Où vas-tu? Je te laisserai pas faire de mal à Lily. Lui faire du mal? Je ne ferai jamais ça! Je l'aime! Ton amour ne peut pas la protéger. Je suis la seule à en être capable. Sébastien, je t'ai dit de partir! Pas bien. Je ne la laisserai pas prendre Lily. Est-ce que c'est notre maison? Elle y est forcément. Je peux plus reculer. Chapitre 16, et peut-être le dernier. C'est où ce qu'on a vu la maison? Allons-y, Mira. Il est temps. Plus
avait l'intention de devenir le noyau. Mais pourquoi ? J'avoue, ça sent la fin. Maintenant, confiez-la à moi. Il faudra me passer sur le corps. Si vous voyez les choses comme ça... C'est donc comme ça que c'est arrivé. Que cet endroit a commencé à s'effondrer. Sébastien. Pourquoi est-ce que tu t'opposes à moi, Mira ? Tu ne peux pas comprendre. Ceci est notre nouvelle maison. Lily sera en sécurité ici. Heureuse. Loin de toute peur. Loin de la douleur. Non, Mira. Ce n'est pas la réalité. La douleur fait partie de la vie. Tout comme l'amour. Si elle reste ici, elle ne connaîtra pas la peur, c'est vrai. Mais c'est parce qu'elle ne vivra rien du tout. Tu ne comprends pas. Ils lui ont fait de telles choses. Moi, je peux la protéger. Non. Je t'en supplie, laisse-moi la sortir d'ici. Faisons-le ensemble. Nous pouvons encore former une famille. Non. Je ne laisserai plus personne me l'enlever. Non. Mira, écoute-moi. Nous avons encore le temps. Nous pouvons partir. Surtout, j'ai pas assez de balles pour te tuer. Je ne laisserai pas Lily ici. Je t'en prie. Tous ceux qui essaieront devront mourir. Arrête, il ne m'oblige pas à faire ça.
Mon Dieu. Tu m'as fait du mal. Oh yeah! Je t'en empêcherai. Mon sang, Mira, arrête! Et pense à ce que t'es en train de faire. J'étais juste devant toi. Pas à faire ça. Tu refusais de m'écouter. J'étais juste devant toi. Fuck. Pas de tirer pour rien. Au gun. Arnaque. Calice!
peux pas m'arrêter. Je t'en supplie. Emira, je sais que tu peux m'entendre. Tu dois arrêter ça. Ascends-toi. Je ne peux pas m'échapper. Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien en tout. Sais-tu peut-être que je vise pas? Je pense que je bougeais. J'ai oublié de viser cette fois-ci, je pense. Tu ne peux pas m'arrêter. Je t'en supplie, Mira. Je sais que tu peux m'entendre. Tu dois arrêter ça. Putain. Ça, je visais pas tantôt, calice de niaiseux. Collis! Ah non! Il me reste une balle.
Non, ça marche pas, tabarnak. Là, j'arrive mon gun, là. Si j'avais pas gaspillé ma balle. Là, je sais plus, là. Ah, il est là encore. Ça coûte plus cher, mais ça, tu peux en faire. Je viens de raiser. Balle de précision. Oh, mais... Balle fusil d'assaut. On va relaxer. On va aller avec les balles d'assaut tout de suite. Tire-tu à côté ou quoi, tabarnak? Oh yeah! Je vise là. Putain, vie. Moi, je la marre de ce type. Oh, yeah! Ah, comparé au... dans le 1, bosse les yeux à coup de couteau, tabarnak.
pas de femme, pas de Mira. Elle est là. Mira. Mira, je t'en prie. Commence à coûter le cœur. Arrêtez la base. Coup de la cœur, ça bat. La réanimation ensuite. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Non. Je n'arrivais plus à me contrôler. Tu as fait ce qu'il fallait. Emmène Lily. Emmène-la loin d'ici. Je nous emmène tous loin d'ici. Allez. C'est trop loin. Laisse-moi ici. Il faut... Occupe-toi de Lily. Laisse-moi. Non. Je ne te quitterai plus jamais. Pourtant, tu le dois. Honteuse. On se retrouve là-bas. Lily, elle a besoin de toi. S'il te plaît, fais vite. Que je rejoigne la maison. Ah, t'as vrai, chapitre 17. J'y suis presque. J'espère que tu es en vie. Ok, c'est par rapport. Nous avons rétabli le contact, monsieur. Où est-il? Impossible d'avoir une localisation exacte. Attendez, le noyau est de nouveau visible. Le marqueur s'approche d'elle. Excellent. Indiquez au marqueur comment rétablir le noyau. Je déteste annoncer une mauvaise nouvelle, monsieur, mais il est trop tard. L'environnement a subi trop de dégâts. Même avec le noyau rétabli, la destruction totale d'Union est imminente. Qu'il en soit ainsi. Il nous reste le stem, nous pouvons en tout recommencer. Mais nous avons besoin du noyau, elle est trop précieuse pour tout abandonner. Que l'équipe médicale se prépare pour son extraction, combien de temps faut-il? Tout dépend de sa rapidité à atteindre le point d'extraction. Ils sont quasi prêts, ça ne devrait plus être long. L'équipe médicale en place et en attente. Pensez de le tuer ou quoi? L'extraction effectuée, que l'équipe médicale élimine le marqueur. Il a rempli son objectif. Le marqueur, c'est Sébastien. Merde. Kid, appelez votre homme et donnez-lui les instructions. Bon, je crois que le moment est venu. Kid, vous m'avez entendu? Oui, j'ai entendu. Est-ce que je perçois de l'insubordination? Vous ne pouvez pas le tuer.
Mais si, je peux. Et je vais le faire. Une fois revenu dans notre monde, il sera pour nous un handicap. Allez, appelez-le et donnez-lui le point d'extraction. Allons, Kid. Il a signé son arrêt de mort au moment même où il est entré dans le STEM. Alors, obéissez aux ordres ou vous signerez le vôtre. Non. Cette tentative de trahison est regrettable. Vous étiez si prometteuse. Ah, tabarnak! La sensibilisation. Sensibilisation est trop basse. Trop vite, Titi. Et voilà. Tout le personnel de sécurité au rapport en salle de contrôle. Tout le personnel de sécurité. Vite, avant que les autres arrivent. La laissez pas s'échapper. Papa ? C'est moi, Lily. Je suis là. C'est vraiment toi ? Chut. C'est bien moi. Je vais te ramener à la maison. C'est pas ici, la maison ? Non, ma chérie. Mais nous y serons bientôt. Je suis fatiguée. Rendors-toi. À ton réveil, tout ira mieux. Je l'ai trouvé. Viens, quittons cet enfer. Pardon, Sébastien. Je ne peux pas. Bien sûr que tu peux. Je vous porterai toutes les deux s'il le faut. Non. Mais je... Mobius doit être arrêté. Rien à foutre de Mobius. Nous avons déjà perdu trop de temps. Nous pouvons partir tous les trois. Nous irons quelque part où ils ne nous trouveront jamais. Il n'y a nulle part où aller. Ils sont partout. Lily sera toujours en danger. Sauf si je les détruis. Très bien, je t'attends. Dès que Mobius sera éliminé... Ça ne marche pas comme ça, Sébastien. On ne peut le faire que de l'intérieur. Le STEM ne se limite pas à cette ville.
Tout Mobius y est connecté grâce à des implants crâniens. Dès que j'aurai pris le pouvoir du noyau, je transmettrai un signal grâce auquel tout s'écroulera comme une ionne. Un signal capable de réduire une fois pour toutes Mobius à néant. Mais nous sommes enfin réunis. Il n'y a pas d'autre choix. C'est le plan depuis le début, il n'en a jamais été autrement. Pardonne-moi. Mira. Chut. Juste, promets-moi de prendre soin de notre petite. Qu'elle n'oublie jamais combien sa mère l'aimait. Tu sais, j'ai encore tant de choses à te dire. Tu n'as pas besoin de le dire. Je ne t'ai jamais quitté des yeux tout ce temps. Je sais combien tu as souffert, je sais ce qu'ils t'ont fait. Ce que moi, je t'ai fait. Tu n'as rien demandé de tout cela. Et tu as vécu l'enfer à deux reprises à cause de ça. Il est temps pour toi de partir. Pour vivre. La vie qui t'a été volée. Je t'aime, Mira. Je t'aime, Turbo. Je fais tout ça. Mais le temps presse. Vous devez partir, tout de suite. T'es encore là, Turbo, t'attends, va dormir. Ok, t'es encore là. Pas moi. Rejoindre la salle du STEM. Il suffit que j'arrive en bas. Tout le personnel de sécurité au rapport en salle du STEM. Tenez bon, Sébastien. J'y suis presque. Tout le personnel de sécurité au rapport en salle du STEM. J'espère que ça va marcher, Mira. Qu'allez-vous faire, Kidman? Vous ne provoquerez rien d'autre que votre mort. Vous devez bien le savoir. Vous aviez du potentiel. Vous auriez pu accumuler un tel pouvoir. Et vous choisissez maintenant de tout gâcher. Pourquoi? Après tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez fait, pourquoi cette crise de conscience soudaine? C'est pour l'inspecteur. Pour la gamine. T'as fini aujourd'hui. J'ai regardé, il y a 17 chapitres. Il y a un petit peu après, mais... C'est pour moi. Il reste environ une quinzaine de minutes. Bien, Max 20. Tu as besoin du step. Imaginez. Une conscience unifiée pour toute l'humanité. La fin des conflits. La fin des disparités. La fin de la douleur. J'espère que t'avais raison, Mira.
Kidman, je l'ai. Où est-ce que je dois aller maintenant? Dans votre salle. D'accord. Mais Mira va rester ici. Vous savez pourquoi? Nous avons peu de temps. Je compte sur vous, Kidman. Ne t'inquiète pas, Lily. On y est presque. Pas trop tard pour tout arrêter, Kidman. Coopérez. Et je vous promets une mort rapide. Sinon, la punition pour votre trahison sera légendaire. Je suis sûr qu'on se souviendra de moi. Mais ce sera pour vous avoir anéanti. Personne ne rêve d'un monde dénué de choix. Une ruche mentale ne fonctionne que si une reine est aux commandes. Rejoignez-nous ou mourrez. Vous savez quoi? Il y a une autre option. Et c'est d'aller vous faire mettre. Vous êtes stupide! Mais je vous aime. Quel dommage de vous perdre en de telles conditions, Kid. Quoi? Vous pensiez vraiment que je n'avais pas prévu ça? J'ai retiré ma puce il y a 3 jours. Peu importe. Vous mourrez aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre. Lâche-toi. Moi, je suis comme ça, c'est impossible que je remonte. Hein. Ah, cette force. Moi, je creve là. À moins qu'il y ait une adrénaline là. Ça me connecte aux membres de Mobius prêt pour la phase finale. La suite ne dépend que de vous. Je le savais. What the fuck se passe? Thank you.
Elle les a toutes tuées. Je pense que Mira a réussi à sortir de Morbius. De la stem machine. J'ai un peu mêlé en les deux. Ça, ah, tiens. Du calme, Sébastien. Vous êtes en sécurité. Lily. Où est Lily? J'ai besoin de votre aide pour la sortir de là. Mettez-vous là. Lily Castellanos. C'est bien toi. Oui, ma chérie. C'est bien moi. J'ai fait un cauchemar. Chut. Je sais. Mais c'est fini. Le cauchemar est fini. Tu n'as plus rien à craindre. Parce qu'elle a dit j'ai, j'avais envie de dire j'ai chié dans mes culottes. C'est vraiment fini. Si j'arrêtais de le dire, j'avais envie. Je me suis fait rire tout seul. En train de rêver tout ça. C'est réellement terminé. Grâce à Mira. Allez, quittons cet endroit. Un autre jeu terminé sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah! Evil Within 2. Oh yeah! Le 68e jeu de 2022. Et bonne ce tune-là.
Ouais, c'est bien. Tout est bien qui finit bien. Un bon jeu. Pas un jeu extraordinaire. Un bon jeu. Un autre jeu d'horreur la prochaine fois. On en sortira un autre. J'en ai un ou deux en tête que j'en ai déjà acheté une coupe. Là. Vous avez calé ça. Hey, il l'avait dans le bain en plusieurs langues, ce jeu-là. Pensez à toi, Turbo. Merci d'avoir passé. On a fini ce jeu-là encore. Ciao, ciao, bonne nuit. Bonne journée demain.
Oh. Le jeu est terminé en 13h33. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu de Evil Within 2 live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!